Saint-Esprit, merci encore pour cette merveilleuse journée. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Puissant de Dieu, bienvenue. Merci, merci pour la nuit que nous venons de passer. Merci pour la vie de mon frère qui est en train de prier avec moi ce matin. Merci pour la vie de ma soeur, cette famille, ce père de famille, cette mère de famille. Oui, Seigneur, qui s'est levé ce matin en te glorifiant. Merci pour cette personne dans l'hôpital ce matin qui est en train de te rendre gloire parce que sa condition hier était inquiétante. Mais ce matin, oui Seigneur, tu permets à cette personne de te glorifier. Sois exalté Seigneur, parce que ceux qui n'avaient pas d'espoir hier, ce matin se sont réveillés avec de l'espoir Seigneur, sachant que tu es ce Dieu fidèle, capable de faire les grandes choses dans leur vie. Il y en a qui étaient découragés, mais Seigneur, mais pendant la nuit, ton esprit est venu consoler. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, Alpha et Oméga. Nous te disons merci, nous t'honorons et nous te rendons toute la gloire. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Papa, dans les cieux, dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose. Dans ma vie, Saint-Esprit, quelque chose dans ma vie. Seigneur Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma famille, quelque chose dans ce lieu. Seigneur Jésus, ô Saint-Esprit, fais quelque chose, Esprit de Dieu, quelque changement dans nos vies, quelque bénédiction dans nos vies, Alpha Omega, Alléluia. Seigneur, c'est ce que nous demandons ce matin. Tu es un Dieu qui va de gloire en gloire. Nos vies doivent aller de gloire en gloire. Ce matin, voici notre prière. Fais quelque chose de nouveau encore dans nos vies pour la gloire de ton nom. Des nouvelles choses qui vont glorifier ton nom. Nous te donnons la permission ce matin de rentrer dans nos vies, de rentrer dans nos familles maternelles comme paternelles et établir l'ordre qu'il faut, Seigneur mon Dieu. Fais quelque chose, Père, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, soyez les bienvenus. Nous sommes connectés à la grâce de Dieu ce matin pour renouveler la grâce dans notre vie. Tu vas remettre cette merveilleuse journée dans les creux de l'Esprit de Dieu en lui disant que tu ne peux pas sans lui, que tu n'es rien sans lui. Lui seul est capable de transformer, de faire des nouvelles choses. Seigneur, ce matin, nous nous remettons entre tes mains. Viens et opère des grandes choses dans nos vies. Viens faire des merveilles dans nos vies, ô Seigneur. Papa, tu es capable, c'est pour ça que nous demandons. Nous savons que c'est de Dieu capable, tu es capable de le faire. Nous nous soumettons à ta Seigneurie. Nous nous remettons entre tes mains, nos familles, les situations dans lesquelles, Seigneur, que nous sommes en train de passer, que nous ne sommes pas en train de comprendre. Jésus, nous savons que la solution est entre tes mains. C'est pour cela que nous voulons te dire ce matin, Saint-Esprit, que tu es le bienvenu en cette journée. Merci parce que la solution viendra. Autant le soleil va se manifester ce matin, autant les solutions vont venir. Que la gloire te soit donnée. La Bible dit que les pleurs vont durer toute la nuit. Mais le matin viendra la joie. Le matin viendra l'abondance. Le matin viendra la compréhension. Le matin, oh, le soleil va briller et la gloire de Dieu va rayonner sur nos vies. Ce matin, que cette gloire rayonne dans nos entreprises. Que cette gloire rayonne dans nos familles. Que cette gloire rayonne dans la vie de nos enfants. Que cette gloire rayonne dans la vie de nos époux et épouses. Que cette gloire se répand partout où nous allons être ce matin. Que la présence de Dieu à nous, oui, affecte des vies ce matin. Que les gens nous voient, qui nous posent des questions. Quelle est la transformation qui est en train de se passer dans ta vie? Et donne-nous la garde de le dire, le courage de le dire que c'est Jésus qui le fait. Oui, Seigneur, c'est toi qui le fais dans nos vies. C'est pour cela que nous voulons te demander la grâce. Nous voulons te demander le courage d'ouvrir nos bouches, Seigneur, de dire aux gens c'est Jésus qui a transformé nos vies. Cette gloire que les gens vont voir, ils vont admirer. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu le fais ce matin dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier ce matin pour demander à notre Dieu de venir à notre secours, d'entendre nos cris
et de relever nos têtes. La tête de plusieurs sont baissées. Je ne sais même pas pourquoi les têtes sont baissées. Le ce Dieu grand là qui s'est manifesté en Égypte, la Bible nous le dit dans le livre de Exode que devant la mer rouge, il a dit pourquoi ce tumulte parmi mon peuple, pourquoi mon peuple est paniqué. Suis-je pas Dieu qui a promis de vous faire sortir? Il est ce Dieu que nous servons ce matin. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. L'Éternel le fera. Il est dans sa parole. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Regardons ce matin dans le livre de Psaume 61, le verset 2 au verset 3. Ô Éternel, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Ça, c'est le psalmiste qui est en train de parler. David est en train de parler à Dieu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Et le verset 4 dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. En face de mes ennemis, ceux qui pensent que ma vie ne signifie rien, en face de ce que tu vas m'élever sur ce rocher. Que je ne peux pas atteindre par mes propres forces. Viens à mon secours ce matin. Jésus, entends mes cris ce matin et réponds-moi. Entends le cri de tes enfants ce matin. En ce mois qui est en train de finir, ô Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans le quatrième mois de l'année. Oui, Saint-Esprit, entends nos voix ce matin et exauce chacun de nous. Exauce, Seigneur, mon Dieu, ton peuple. Exauce ton peuple. Tu as dit en Égypte, j'ai entendu les cris de mes enfants et je suis descendu pour les délivrer. Seigneur, en cette saison, que cette saison soit une saison de délivrance, une journée de délivrance. Il nous journée où tu vas venir essuyer les larmes de plusieurs ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans ces familles qui sont en train de t'implorer. Cette famille qui est en train de pleurer ne sait même pas comment cette journée va se passer. Mais Jésus, quand dans la fournaise ardente, la Bible nous dit que le quatrième homme s'est manifesté. Sois ce quatrième homme ce matin dans les maisons, dans les familles, dans les foyers. Cette mère de famille qui est en train de pleurer, sois la quatrième personne dans cette maison ce matin et délivre cette famille. Libère cette famille. Bénis cette famille. Relève encore la grandeur de cette famille au Père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Relève, Seigneur mon Dieu. Relève, Seigneur mon Dieu. Dans le psaume, dans le même psaume ce matin, nous avons vu 61. Nous allons maintenant partir dans 71. 71, le verset 21 dit, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Seigneur, ce matin, nous prions que tu relèves la grandeur de plusieurs. Dis ce matin, attendez, Seigneur, relève ma grandeur. Relève la grandeur de ma famille. Relève la grandeur de mon ministère. Relève, ô Dieu des cieux, la grandeur de la vie de mes enfants. Relève la grandeur de mon entreprise qui est en train de tomber, qui est en train de passer à la faillite. Ô Jésus, avec toi, il n'y a pas d'échec. Relève ces entreprises. Relève ces entreprises. Relève la grandeur, l'honneur qui a été bafoué, oui, qui a été méprisé. Relève cela, ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Que la lumière de tes enfants brille encore, parce que tu es cette lumière dans leur vie. Que cette lumière brille encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des systèmes que l'ennemi met en place pour gâcher notre joie. L'ennemi met des systèmes en place. Il t'amène sur ce point-là, sur cette dimension, pour te dire que est-ce que mon Dieu le fera? Il n'y a pas est-ce que avec Dieu, il le fera. La seule chose que nous devons comprendre, la montre de Dieu n'est pas notre montre. Et ça ne tourne pas comme nous voulons. La montre de Dieu tourne selon le plan et le programme de Dieu. Donc tout système qui a été mis sur pied autour de moi pour gâcher ma joie, et pour gâcher mon allégresse, pour détruire la paix de Dieu à moi. Seigneur, je libère le feu de consumer ce système. Que le système soit consumé ce matin par le feu de l'Esprit de l'Éternel. Tout système du monde des ténèbres qui a été mis sur pied,
pour juste gâcher, détruire ma joie, mon allégresse, ma réjouissance, oh Seigneur. Les cris de joie dans ma maison. Papa, ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. J'envoie le feu détruire ces choses. Que le feu du Saint-Esprit les détruise ce matin, au nom de Jésus. Tout système, quel que soit le système qui a été mis sur pied, Papa, nous le détruisons. Les systèmes de frustration, nous les détruisons. Les systèmes qui vont nous faire douter de notre Dieu, nous détruisons ces systèmes. Ces systèmes qui nous amènent à perdre la foi, nous détruisons ces systèmes dans le nom de Jésus. Ce système qui nous amène à déclarer ce qui n'est pas dans notre cœur, à dire des choses que nous ne devons pas dire. Papa, ce matin, nous détruisons ces systèmes par le feu de l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Jésus. Éternel des armées, ce matin, nous prions pour les âmes. Oh Seigneur, nous élevons les âmes dans nos familles vers ton trône de grâce. Dans nos nations, nos villages tout entiers, nous prions pour le salut de l'âme de plusieurs. Oui, Saint-Esprit, sauve-les pour la gloire de ton nom. Qu'ils te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour des familles qui ne te connaissent pas ce matin. Les pères de famille, les mères de famille, les premiers nés dans les maisons. Je les réclame ce matin pour Christ, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons et nous trempons l'exaucement de nos prières dans le sang de l'agneau. En recouvrant nos familles, nos différentes activités, nos véhicules. Les véhicules que nous allons prendre, Papa, nous les trempons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons ce matin que 1000 tombes à notre côté, 10 000 à notre droite, cela ne va pas nous atteindre. De nos yeux seulement, nous ferons la rétribution des méchants au nom de Jésus, parce que nous sommes sous la protection divine de notre Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin par la bénédiction de l'Éternel. C'est dans le puissant nom de Jésus, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. La Bible dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. En ce nom, vous allez m'appeler, je vais vous répondre. C'est en ce nom que nous avons prié ce matin. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus.